Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Mes frères et sœurs, je viens de me réveiller, regardez-le. Quelle heure est-il? Il est 3h. 3h30 ici. Imaginez, quelqu'un se réveille à 3h30, pourquoi faire? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. La vie de l'homme, c'est un combat. La vie de l'homme, de l'être humain, c'est décidément un combat. Et dans la vie, tout ne peut pas être rose. C'est-à-dire, tout ne peut pas être parfait tous les jours. Tu peux être là tranquillement, tu es en joie. Et il y a un truc qui vient pour gâcher l'ambiance. Il y a un truc qui arrive pour gâcher l'ambiance. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Est-ce que vous avez même remarqué ça? C'est notre vidéo à vous. C'est notre vidéo à nous ici. Nous les abonnés. C'est notre vidéo aujourd'hui en cause. Si on se bon 3, nous allons faire de vraies choses là-bas. Si vous n'êtes pas abonné sur on se bon 3 et nos trois autres chaînes. Quelque chose sur Balé, ça n'a pas d'accueil. Abonnez-vous sur Ignace TV, on se bon 2 et on se bon 3. Là-bas, nous allons vous montrer de vraies choses ces temps-ci, surtout ce mois-ci-là. Les trucs sur la fin de l'année, Noël, janvier, tout ça. Bon, nous allons tout voir là-bas, mais ici, nous allons parler des vraies choses, de tout de la vie, jusqu'à ce que le mois-là finisse. Il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer à entrer dans le nouveau mois. Déjà, si vous voulez savoir, actuellement, nous traversons quelques difficultés avec la chaîne Notre Bonne, mais je dis au Seigneur, d'ici le 1er janvier et la fin du mois de janvier 2020, on espère que le problème sera résolu. Pour le moment, je ne veux pas vous en parler parce que je ne suis pas là pour parler de moi. Je veux juste attirer votre attention sur les réalités de la vie. Ah, la vie, c'est vraiment un combat. C'est vraiment. La vie de l'homme. Non seulement on dit que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais quand même, on doit se lever le matin, on doit se lever tôt, courir, aller chez la nourriture, aller chez l'argent, aller chez ce qu'on doit. On doit avoir. En plus de ça encore, tu auras des ennemis. Des ennemis qui vont te combattre. Pour rien. Pour même rien, quoi. Moi, mais ça me fait même mal. Ça me fait même mal. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui mange beaucoup, regardez lui, il mange un peu et excessivement. Mes frères et sœurs, si vous le voyez qu'on sortait de manger, dites même Dieu merci. Priez pour qu'il ait toujours la nourriture. Parce que c'est quand on est vivant et qu'on a la nourriture, on a les moyens, qu'on peut souffrir ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'opportunité d'avoir tout ça. Donc, si cette personne a ça, c'est la grâce de Dieu. Chaque chose a son temps. Quand il y a de la nourriture en abondance, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, si tu es intelligent, tu mets aussi en réserve. C'est comme ça que les intelligents réfléchissent. C'est-à-dire que tu épargnes. Voilà. Mais parce que le jour où ça sera un peu chaud, là, tu vas dire, ah, j'ai même bien fait. J'ai même bien fait de garder quelque chose. Ah, dis-moi ce que tu en penses. Regardez même dans la description, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la description. Dans la description, vous voyez d'abord, sans doute, vous voyez un truc, un titre pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Et puis, vous allez voir, laissez un j'aime. Si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pour activer les notifications. Et vous verrez également Instagram, le compte Instagram, et ceux qui veulent faire le don sur PayPal pour nous soutenir peuvent le faire.
Ça, ce sont des changements que nous sommes en train d'opérer parce que YouTube YouTube nous envoie un message pour lui demander obligatoirement de transformer, de changer la partie description, ce qu'on a écrit dans la description, tout et tout, tout et tout. Donc, vous le quoi, toutes les choses sont en train d'être réorganisées. Oh, tout était bien, on préparait même des vidéos à venir en abondance. Et ce message est venu pour casser un peu l'ambiance. On nous demande de revoir toutes nos vidéos et même de supprimer les vidéos qui ne sont pas en conformité avec les règles de YouTube. Surtout au niveau de la description, là. C'est là-bas que tout se passe. La description, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Donc, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'analyser maintenant toutes nos vidéos. Oh, on se voit là, combien de vidéos? Ah, mes frères et sœurs, Nyansubon existe depuis juillet 2017. 3000 vidéos. Plus de 3000 vidéos. Imaginez. Je ne sais pas si nous avons fini de supprimer certaines vidéos. Ou certaines descriptions. Ah, c'est tout de ouf, hein. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Sur 3000 vidéos, plus de 3000 vidéos, on peut dire que plus de 6000, plus de 600 vidéos ont été supprimées par Yansuba. Plus de 600 vidéos. C'est vrai, c'était une vidéo du début, il n'y avait pas trop de vues. Bon, ça ne nous intéressait pas, mais il fallait que ça existe. Mais qu'est-ce que vous voulez? On nous demande de réorganiser, de faire en sorte que ça soit convivial. Bon, peut-être que dans le passé, il y a certains règlements qu'on ne connaissait pas. Moi, mais il y a certaines choses que je ne connaissais pas. YouTube m'a envoyé un message pour dire, format, peut-être que tu t'es trompé ici. Il faut corriger ça. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et effectivement, je vois qu'il y a certaines choses que je me suis un peu trompé et je corrige. Mais pendant ce temps-là, il y a certaines fonctionnalités qui sont désactivées sur la chaîne pour le moment. Pendant 30 jours. Donc, il y a souvent à ce moment 30 jours pour écrire tous les cas afin de pouvoir vivre de son art. Donc, mes frères et sœurs, si vous voulez nous soutenir via PayPal, vous pouvez le faire. Il y avait Western Union avant, mais on nous demande de se. Bon, j'ai enlevé tout ça maintenant. Ce n'est plus là. Vous verrez juste PayPal. Tous ceux qui veulent nous soutenir par les dons, vous pouvez le faire via PayPal. Et vous pouvez même cliquer sur Union sur bon, aller sur la page d'accueil. Vous allez voir sur l'illustration, là où vous voyez Jésus et Monsieur Sauveur et Nyansk, les deux têtes Nyansk bonnes. Vous voyez là-bas un logo de PayPal. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire le don pour nous soutenir. Ce serait votre manière de nous aider dans cette situation de trouble que nous sommes en train de traverser. Pour le moment, nous sommes aussi en train de regarder toutes les autres chaînes. C'est-à-dire les trois autres chaînes, Nyansk Bonne 2, Nyansk Bonne 3 et Nyansk TV. Pour corriger tout là-bas, imaginez, c'est beaucoup de vidéos. S'il y a certaines vidéos qui doivent être supprimées, ça va être supprimé. Les vidéos qui ont fait plus de 4, de 5 000 vues, plusieurs j'aime, des gens appréciés, même si ça a aidé beaucoup de personnes. Nous serons obligés de supprimer. Mais ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs, nous avons un plan. Nous avons un plan, mes frères et sœurs, quelles que soient les situations difficiles que vous traversez, ayez quand même un plan, que Dieu lui-même soit avec vous. C'est pourquoi on prie. Quand vous priez, Dieu peut vous suggérer de belles idées afin de pouvoir remédier à tous les problèmes de la vie. La vie, c'est vraiment un combat. Donc, notre plan va venir. Abonnez-vous et partagez cette vidéo et restez connectés. C'est que si vous allez nous rejoindre sur une autre bonne toile. Là-bas, on a presque fini le travail. En attendant que Nyansk Bonne ici soit en bon état, nous allons travailler des vidéos là-bas sur Nyansk Bonne 3 pour vous offrir des choses hors du commun. Nous avons plus de 45 000 abonnés ici. S'il vous plaît, si vous recevez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en ce moment-là sur Nyansk Bonne 3. Nyansk Bonne 3 pour nous soutenir. Vous savez ce que vous pouvez faire. Quand vous laissez les j'aime, ça permet à cette vidéo d'être mise en avant sur la plateforme afin que d'autres personnes puissent comprendre certaines choses. C'est que si nous sommes en famille, on peut se soutenir. Dans les difficultés, nous les chrétiens, nous devons nous soutenir. Et c'est ce que vous devez faire en ce moment.
Nous avons besoin de votre soutien et surtout de votre prière. Surtout de votre prière. Nous sommes à la fin de l'année. C'est l'heure pour tout le monde de s'asseoir et réfléchir. C'est ce que ça veut dire aussi. Il faut s'asseoir et réfléchir. Savoir où tu vas, comment tu vas et qu'est-ce que tu es en train de faire. Afin de bien préparer l'avenir, il faut regarder ton passé aussi. Ce que tu as fait dans ton passé. C'est l'heure de se repentir et demander à Dieu de nous pardonner tous nos péchés. Parce que même en ce moment-là, ce qu'on a fait de la passion nous rattrape. Nous, comme c'est une des vidéos, nous sommes en train d'obliger de les supprimer, nettoyer, afin de pouvoir bien avancer, même avancer dans l'année 2020. C'est sûr que l'année 2020 sera une très bonne année. Parce que les difficultés que nous sommes en train de voir, même déjà qui sont là, ça nous amène à vraiment croire qu'il y aura de grandes choses. Nous allons voir ça ensemble. Mes frères et sœurs, nous allons voir ça ensemble. Si vous êtes d'accord avec ça, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu. Quelles que soient les difficultés, gardez votre calme, réfléchissez et que Dieu vous aide. Dites-moi ce que vous en pensez. Mes frères et sœurs, dites-moi ce que vous en pensez. Nous sommes en famille. Bien, nous allons faire quelques corrections. C'est maintenant que je vais même commencer à manger un peu. Bon, ça va aller. Je dis au Seigneur, priez pour moi, les gars. Oui, même moi. Ok, c'est parti, les filles. Il y a beaucoup, il y a plus qu'il y a beaucoup de garçons ici que des filles. Les filles, qu'est-ce qui va pas avec moi? Où sont les filles? On nous dit, dans les statistiques, on nous dit que si l'union serait bonne, il y a plus de 58% de garçons et seulement 48%. Bon. C'est plus de 50% de garçons et plus de 40% de filles. Ah, les filles, ne vous laissez pas dominer par les hommes quand même. Bon, c'est pas une absence de dominer, mais venez. Venez vous abonner. Ici, on parle des vraies choses, c'est vrai. Que souvent, on parle des vidéos, on voit des témoignages où les gens nous demandent de ne pas mettre de make-up, mais c'est pas ce qui va vous effrayer quand même. Nous sommes en famille. Parfois, la vérité délivre, non? Ou bien. Nous sommes là pour apprendre des vraies choses, que Dieu nous aide à accepter quand même ce qu'est la vérité, pour afin qu'on puisse changer tout simplement. Et c'est ça, être intelligent. Qu'en pensez-vous? Laissez dans les commentaires et dites-moi tout ce qui est dans votre tête. Peut-être que vous aussi, vous traversez la même situation, ne vous inquiétez pas. Je dis au Seigneur, tout va aller pour le bien, tout va aller pour le mieux. Juste regardez le problème clé et essayez de le corriger et Dieu va vous aider.